Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube et je vous remercie d'être fidèle à mes vidéos. Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo un petit peu différente puisque je vais vous faire finalement une sorte de comparatif entre le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite-Smith en mettant en avant justement les différences qu'il existe entre ces deux jeux puisque ce sont deux jeux qui sont très utilisés, surtout en France. On utilise beaucoup le tarot de Marseille, mais également le Rider-Waite-Smith. Dans le reste du monde, on utilise principalement le Rider-Waite-Smith, mais le tarot de Marseille est également relativement connu dans la terre entière. Alors, tout d'abord, je vais faire un petit récapitulatif historique, retracer un petit peu l'histoire du tarot de manière sommaire, pour qu'on puisse un peu comprendre justement quelles sont les différences entre ces deux jeux. Alors, il faut savoir que le tarot est daté en fait du XIVe siècle. Les premiers tarots ont été datés du XIVe siècle en Italie. Ils ont voyagé dans l'Europe jusqu'à la France. Lors de leur voyage, les tarots ont subi des modifications en fonction des régions. Notamment en France, on a eu deux tarots qui sont particulièrement célèbres, c'est le tarot de Besançon et le tarot de Marseille, qui sont quand même différents puisqu'ils ne sont pas issus de la même région. Et si vous voulez, pendant justement ces voyages et au cours des siècles, nous avons des occultistes comme Cour de Gébelin, Etelia ou Lévi Papus, en France notamment, qui ont un petit peu modifié l'aspect du tarot en y ajoutant des symboles astrologiques, en ajoutant des symboles de la Kabbale, des symboles hermétiques, ou alors tout simplement des références à l'Égypte ancienne. Donc en fait, il y a eu vraiment une sorte d'évolution du tarot tout au long des siècles. Et c'est vrai qu'en France, on a eu beaucoup d'occultistes qui ont créé leur propre jeu, qui ont finalement modifié l'essence même du tarot. Donc le tarot de Marseille qui est beaucoup utilisé en France, le tarot Rider-Waite-Smith qui est beaucoup utilisé dans les pays anglo-saxons, notamment au Canada, aux États-Unis, en Australie. Alors au début du siècle, en 1909 il me semble, Waite qui faisait partie de l'ordre de la Golden Dawn, qui est un ordre hermétique anglais, a commandé finalement des illustrations à une autre membre de son ordre qui s'appelle Pamela Coleman-Smith, donc c'est elle qui a illustré le jeu. Alors, Waite voulait un jeu qui soit plus universel, c'est bien pour ça qu'on l'appelle le tarot universel. Donc il voulait un petit peu rompre avec la tradition judéo-chrétienne qu'on peut retrouver dans le tarot de type Marseille. Et il voulait en fait quelque chose de plus ouvert au niveau ésotérique, enfin, en gros, il voulait moins se baser sur justement le côté très religieux, mais plus sur le côté spirituel. Alors, il s'appelle Rider-Waite-Smith tout simplement puisque c'est William Rider qui a édité le jeu au début du siècle, donc comme je disais en 1909. Et à la base, on l'appelait le Rider-Waite uniquement, on l'a appelé le Rider-Waite-Smith plus tard puisqu'on a ajouté le nom de l'illustratrice qui ne figurait pas dans les premières éditions. La plus grosse différence entre ces deux jeux, ce sont les mineurs. Alors je vais vous montrer immédiatement la différence. Nous avons ici, pour le tarot de Marseille, des mineurs qu'on dit ne pas être illustrés, puisque par exemple on a juste des bâtons, à part pour les figures. Mais sinon, pour les premières cartes, les 10 premières cartes, on a donc des bâtons, ou alors des coupes, des épées, ou alors des deniers. Mais on n'a pas d'illustration. C'est-à-dire que c'est vraiment... l'interprétation passe par la numérologie et par les couleurs. Alors que pour le Rider-Waite-Smith, nous avons des petites scénettes. Donc c'est un petit peu comme une prolongation presque des arcanes majeures. Vous voyez, on a des personnages, pour les bâtons là par exemple, on a des petites scènes de la vie finalement, de la vie terrestre, puisque c'est ça la différence entre les majeurs et les mineurs. Alors au niveau de la structure, les deux tarots ont la même structure, c'est-à-dire qu'on a donc 56 mineurs et 22 majeurs. Les majeurs sont plutôt
caractéristique de l'évolution de l'âme, et les mineurs sont davantage orientés vers le côté pratique, vers la vie terrestre. Donc là-dessus, on garde finalement la même structure. Par contre, c'est donc les mineurs qui sont illustrés au niveau du Rider-Waite et qui ne le sont pas au niveau du Tarot de Marseille. Alors, au niveau du Tarot de Marseille, justement, on a une scission entre les majeurs qui sont illustrés et les mineurs qui ne le sont pas, comme vous pouvez le voir. Elles ne sont pas illustrées. Donc, c'est comme si finalement il y avait un petit peu une scission, une séparation entre le travail de l'âme et le travail de la vie terrestre. Alors que pour le Rider-Waite, nous avons une continuité. Nous avons des scènes, des personnages au niveau des majeurs, et finalement ça se continue, ça se suit au niveau des mineurs, toujours avec des scénettes. Donc c'est un petit peu comme si avec le Rider-Waite, on pouvait travailler sur les deux aspects de manière continuelle entre l'âme et la vie terrestre, ce qui se fait un petit peu moins au niveau du Tarot de Marseille. D'ailleurs, pour les utilisateurs du Rider-Waite, nous avons souvent ces utilisateurs qui se servent du jeu en entier lors de tirage, c'est-à-dire qu'ils prennent le jeu majeur et mineur, ils le mélangent et ils le tirent, peu importe finalement que ce soit une majeure ou une mineure qui ressorte, l'interprétation, voilà, on peut la faire dans tous les cas. Au niveau du tarot de Marseille, bon, chacun fait comme il le souhaite, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de praticiens qui utilisent principalement les majeurs et qui ensuite, si nécessaire, recouvrent avec les mineurs pour avoir justement des précisions. Donc c'est un petit peu comme si on séparait les deux catégories de cartes entre les majeurs et les mineurs, alors qu'on l'a beaucoup moins chez le Rider-Waite. Alors autre chose qu'il faut savoir, c'est au niveau de l'appellation des suites. Alors nous avons les bâtons, les coupes et les épées, là-dessus ça ne change pas. Par contre, pour le tarot de Marseille, nous appelons ici les deniers, ce sont des deniers. Et ils ont vraiment un aspect, financier. Donc c'est vraiment sur l'argent, hein, puisque le denier, il est donc relatif à l'élément terre. Donc c'est vraiment le côté matériel. Pour le Rider-Waite, nous avons des pentacles. Ce n'est plus des deniers, mais des pentacles. Donc là, on a vraiment un côté plus matériel, moins financier. C'est-à-dire qu'on prend en compte également le travail, on prend en compte également les possessions matérielles d'une manière générale. Le côté financier, il est existant également, mais il n'est pas exclusif. Alors que pour le tarot de Marseille, il est vraiment très important au niveau des deniers. Il y a une autre différence, ça c'est par contre c'est au niveau des figures. Au niveau des figures, nous avons le valet de bâton, ou le valet d'épée, ou le valet de coupe, peu importe. En tout cas, c'est valet, cavalier, reine et roi. Alors que pour le Rider-Waite, nous avons le page. Page, cavalier, reine et roi. Donc en fait, à la place du valet, nous avons le page. Donc voilà les différences les plus importantes au niveau des mineurs. Sinon, au niveau des majeurs, il y a des différences également. Alors, la différence la plus importante, elle concerne l'inversion entre deux cartes. Le tarot de Marseille, nous avons la justice et la force. La justice en position numéro 8 et la force en position numéro 11. Alors que pour le Rider-Waite, c'est l'inverse. Nous avons la force en position 8 et la justice en position 11. Alors vous voyez, il y a une différence justement, ces cartes ont été inversées. Alors tout simplement parce que, comme je vous les expliquais il y a quelques instants, le tarot de Marseille est vraiment basé sur la numérologie, alors que le Rider-Waite, il l'est beaucoup moins. Donc en numérologie, le 8, c'est le chiffre de la justice. C'est un équilibre parfait, voilà, le chiffre, le 8 est comme ça. Si on le retourne, ça représente même le signe de l'infini, il est parfaitement équilibré. Donc c'est pour ça que pour le tarot de Marseille, nous avons la justice en position 8 et la force en position 11, puisque tout simplement le numéro 11 correspond à cet arcane. Pour le Rider-Waite-Smith, nous avons l'inverse, tout simplement puisque Waite a attribué aux arcanes majeurs les lettres de la Kabbale, les lettres hébraïques de la Kabbale. Donc il y a 22 lettres hébraïques, il y a 22 arcanes majeures, donc il y a une correspondance entre chaque carte majeure et chaque lettre hébraïque. Et donc la lettre numéro 8 de la Kabbale correspond au signe zodiacal du lion.
et donc à la force. Et la lettre numéro 11 correspond au signe de la balance et donc la justice. C'est pour cela qu'ils ont décidé de placer la force en 8 et la justice en 11, sachant que toutes les autres lames du tarot correspondent parfaitement aux lettres hébraïques qui leur sont attribuées de 1 à 22. Donc, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une erreur un petit peu dans le tarot de Marseille, qui s'en sont rendus compte au niveau des signes astrologiques, et donc ils ont modifié, ils ont inversé. Alors que pour le tarot de Marseille, comme on est vraiment basé sur la numérologie, ils ont préféré ce système. Voilà. Alors il faut savoir que oui, le tarot de Marseille, c'est vraiment la numérologie, le symbolisme des couleurs. D'ailleurs, pour les mineurs, c'est tout ce qu'on a. On a de la numérologie et des couleurs. Alors qu'ici, on a tout un autre tas de systèmes, tout un autre tas comment dire, de correspondances ésotériques qui sont prises en compte, notamment la cabale. Mais pas uniquement la cabale, il y a énormément d'autres systèmes qui ont été utilisés par Waite. Alors, autre chose, justement, puisqu'on parle de numérologie, je vais vous montrer un petit peu. Il y a une différence au niveau de la façon d'écrire les numéros. C'est-à-dire que pour le tarot de Marseille, vous voyez par exemple pour l'empereur, qui est en position 4, nous avons 4 bâtons et nous n'avons pas un bâton avant le 5 pour faire le 4. Par exemple ici. Alors, déjà, je vais replacer les cartes à leur place. Voilà. Alors, vous voyez ici, par exemple, nous avons pour l'empereur en haut, donc le 5 avec un bâton avant pour faire le 4. Ici, nous avons 4 bâtons. C'est valable également pour le 14 et pour le 19. Alors, tout simplement, puisque dans le tarot de Marseille, nous avons une idée de progression. Alors, dans le tarot de Rider-Waite également, mais comme la numérologie est très importante pour le tarot de Marseille, finalement, cette idée de progression ne pouvait pas voir se soustraire un bâton au 5, puisque ça allait à l'encontre de cette idée. Vu que le Rider-Waite porte beaucoup moins d'importance à la numérologie, ils ont pris une façon d'écrire les chiffres romains tout à fait standard. Donc ça, c'est une autre différence qu'il existe au niveau de ces deux jeux. Alors, il y a également des différences, vous allez le voir tout de suite, au niveau des appellations de certaines cartes majeures. Alors, tout d'abord, le Battleur est devenu le magicien avec le Rider-Waite. Alors avec le Battleur, nous avons quelque chose de moins sacré qu'avec le magicien. Le Battleur ressemble un petit peu à un jongleur qui est sur une place publique. Il jongle avec les quatre éléments. Ici, nous avons un magicien donc, qui est en train de faire un rituel magique et qui utilise également les quatre éléments. Mais ici, nous avons quelque chose de beaucoup plus sacré, quelque chose qui est plus ouvert au niveau de la spiritualité. Quelque chose qui est plus chargé finalement au niveau du côté ésotérique. Pour le Battleur, on n'est plus sur la vie courante. Donc c'est ce que je disais en fait, c'est Waite qui a vraiment voulu accentuer le côté magie, rituel, ésotérisme, spiritualité pour contrebalancer le côté religieux qu'on retrouvait, le côté un peu chrétien qu'on retrouvait dans le tarot de Marseille. Là, c'est pareil pour la papesse. Il me semble qu'elle représente la figure d'une sainte, je ne sais plus laquelle. Ici, nous avons la haute prêtresse. Donc, la papesse porte la Bible sur ses genoux. Elle a vraiment un côté très chrétien, très religieux. La haute prêtresse, elle, est beaucoup plus axée sur la spiritualité, avec ce symbole qui est rattaché à la lune à ses pieds. Nous avons le livre de la connaissance, cette couleur bleu clair qui rappelle justement la spiritualité. Les deux piliers ici qui représentent également la connaissance. Donc en fait, nous avons toujours cette différence entre le côté judéo-chrétien et le côté plus spirituel finalement, plus, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais plus sacré. Pour le hiérophante et le pape, nous avons une différence d'appellation également. Avec le hiérophante, nous avons encore une fois cette référence à la cérémonie rituelle, comme il se place ici comme un chef de cérémonie, alors qu'ici nous avons plus le pape, finalement, voilà, qui fait référence au pape de la chrétienté.
Alors ici, nous avons l'amoureux et les amoureux pour le Rider-Waite. Donc c'est différent également. Pour l'amoureux, nous avons un homme qui doit choisir entre deux femmes. Donc le choix est vraiment mis en avant dans cette carte. Alors que pour les amoureux, nous avons plus le côté sentimental qui ressort et moins le côté du choix. Alors je vais surtout parler des cartes qui ont une différence au niveau de l'appellation. Donc là, nous avons la justice inversée avec la force. Donc j'en ai déjà parlé. Pour l'ermite, il n'y a pas grand chose à dire non plus. La roue de fortune, voilà. La force et la justice, donc pareil, inversé. Le pendu. Alors la mort pour le Rider-Waite et la carte sans nom pour le tarot de Marseille. Donc ici aussi, nous avons une différence. Tout simplement puisque la mort ici, elle est sur un cheval blanc. Donc on a vraiment cette notion d'avancer, d'évoluer. Effectivement, les deux cartes représentent la transformation. Mais pour le Rider-Waite, c'est une transformation qui avance, qui va de l'avant. Donc je trouve qu'elle est encore plus marquée finalement. Tempérance. Le diable. La maison de Dieu qui devient la tour. Mais finalement, l'idée reste la même. L'étoile, la lune, le soleil, je trouve qu'il est un petit peu différent aussi, puisqu'ici nous avons vraiment le côté lumineux du soleil avec cet enfant qui sourit. Encore une fois, le cheval qui avance, comme si on allait de l'avant finalement. C'est une carte qui, je trouve, est encore plus positive pour le Rider-Waite. Le jugement, le monde et le fou. Pour le Rider-Waite, le mat pour le tarot de Marseille. Alors le fou qui porte le numéro 0 pour le Rider-Waite, le mat qui ne porte aucun numéro pour le tarot de Marseille. On peut placer cette carte au début des majeurs ou à la fin, notamment je trouve surtout pour le mat puisqu'il n'y a pas de numéro. Le fou, on a tendance à vouloir le placer du coup au début. Alors il y a une différence également, le fou ici il est beaucoup plus au niveau du Rider-Waite, il est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus enthousiaste, il est content, il commence sa quête, le soleil est à sa pleine illumination, tout se passe très bien, le petit chien est vraiment content, il a une fleur dans la main, voilà. Ici nous avons un côté un petit peu plus difficile avec le côté un peu vagabond, le chien qui déchire, le pantalon du mat comme s'il voulait l'avertir que les choses vont être difficiles. Voilà, c'est pas du tout la même idée. Là, nous avons l'idée d'une aventure nouvelle, enthousiasmante. Ici, finalement, d'une quête qui doit se faire, une quête initiatique qui doit se faire, mais qui sera difficile. Donc vraiment, on a deux aspects différents. Donc pour ces deux jeux, j'espère avoir donner les différences principales. Alors c'est vrai que quand on ne connaît pas du tout le tarot et qu'on est débutant, j'aurais tendance à dire que le Rider-Waite-Smith est peut-être plus adapté, tout simplement puisque les mineurs sont illustrés. Donc c'est plus facile finalement à interpréter au niveau des mineurs. Également, tout simplement car il est plus ouvert, en fait, je trouve, il est plus moderne finalement, il est plus contemporain, il correspond plus à notre époque actuelle, le tarot de Marseille un petit peu moins. Si jamais vous n'êtes pas trop calé non plus en numérologie et au niveau de la symbolique des couleurs, le Rider-Waite pourra peut-être être plus à même de vous convenir, puisqu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut s'appuyer, notamment pour les mineurs, avec ses petites scénettes. Alors je crois avoir fait le tour. Il faut savoir qu'il y a d'autres jeux qui existent, hein, ce n'est pas les deux seuls, il y a d'autres systèmes qui existent. Il y a notamment le Mincat italien qui a plus de cartes qu'un tarot classique, puisqu'au Major ont été ajoutées les cartes des signes du Zodiac. Il y a également par exemple le tarot d'Épinal, il y a le tarot de Thoth au niveau... c'est un jeu qui a été créé par Aleister Crowley, qui a été également qui a été membre de la Golden Dawn et qui a créé son jeu après le Rider-Waite. Donc c'est un système encore différent, puisque les mineurs ne sont pas illustrés de la même façon. Donc voilà, il existe énormément de systèmes différents. Là, j'ai repris les deux systèmes les plus importants en France. Sachant que oui, le Rider-Waite est celui qui est le plus utilisé dans le monde. Le tarot de Marseille est beaucoup utilisé en France. Il est connu dans le reste du monde, mais il n'est pas autant utilisé que le Rider-Waite.
Le Rider-Waite, d'ailleurs, il existe différentes formes de ce jeu, puisque tous les artistes qui ont, enfin, beaucoup d'artistes en tout cas, qui ont créé leur propre jeu de tarot, se sont servis de ce système pour justement illustrer leurs cartes. Donc, si vous n'êtes pas sensible au style du Rider-Waite, c'est-à-dire les illustrations de Pamela Coleman-Smith, vous pouvez très bien vous rapprocher d'un autre illustrateur. Il existe des centaines, voire des milliers de tarots qui sont basés sur ce système et qui donc. Voilà, ont des illustrations différentes, un style différent. Les créateurs ont apporté également d'autres symboles. Voilà, il y a une évolution finalement au cours des années, au cours des décennies, qui ont apporté, chacun a apporté un petit peu sa pierre à l'édifice. Le tarot de Marseille, c'est pareil, il existe d'autres jeux plus modernes qui sont calqués sur le système du tarot de Marseille, créés par d'autres artistes. Mais bon, on retrouve toujours la même structure avec les mineurs qui ne sont pas illustrés pour le tarot de Marseille et les mineurs illustrés pour le Rider-Waite. J'espère que cette vidéo vous sera utile, comme ça vous y verrez un petit peu plus clair en termes de différence entre ces deux jeux. Moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications.